Il faut attendre 1872 pour que Tours dispose d'un théâtre municipal. Auparavant, les spectacles se tenaient dans des salles privées de petite taille. La première a été ouverte en 1761. La plus célèbre était tenue par la famille Bûcheron de 1796 à 1866 à l'emplacement de l'actuel théâtre. Le théâtre de Tours est construit de 1868 à 1872 sur les plans de l'architecte tourangeau Léon Roard. Celui-ci s'inspire de l'Opéra de Paris que construit actuellement l'architecte parisien Charles Garnier. Le théâtre de Tours est splendide avec sa façade monumentale, sa salle à l'italienne de 1200 places. C'est alors l'édifice public le plus important de la ville. Malheureusement, ce beau théâtre est victime d'un incendie en 1883. Pour sa reconstruction, la municipalité ouvre un concours national présidé par Charles Garnier, l'auteur de l'Opéra de Paris. Le lauréat, l'architecte tourangeau Ardion, garde la façade d'origine, mais refait complètement l'intérieur. Le théâtre reconstruit est inauguré en 1889.